J'espère que vous allez bien. Je vous prends enfin dans un angle pas très, voilà, c'est pas très recherché. Il est actuellement 5h47 du matin. Je viens de pratiquement finir mon Miracle Morning. Du coup, j'ai lu la Bible, j'ai écrit. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire des affirmations. Donc, par exemple, une affirmation que vous pouvez écrire si vous n'avez pas trop ce que c'est je sais pas, imaginez-vous faites du sport, je suis le meilleur au tennis, voilà. Donc je vais écrire des choses comme ça pour voilà, s'attirer de bonnes choses dans sa vie et déclarer de bonnes paroles. Et puis je vais faire ça avec un peu de visualisation, donc fermer les yeux, se poser, voir, réaliser ce qu'on aimerait qui arrive dans notre vie. Et puis bah ouais, je vais faire ça là et après bah, je vais pouvoir avancer sur mon programme. Parce que comme on peut le voir, j'ai pas mal de choses à faire là. J'avance dans mon Miracle Morning, après j'ai du montage vidéo, j'ai des barres d'infos à faire. Et c'est souvent le truc le plus relou que je fais, très rarement parce que ça m'énerve, mais là j'ai décidé de prendre des résolutions et voilà. Ensuite je dois ranger ma chambre, j'ai tous les tiroirs de mon bureau, j'ai tout à vider, je dois ranger parce que c'est vraiment un bazar fou. Mais le truc c'est que j'ai une bibliothèque qui est saturée et un bureau qui me convient plus du tout. Du coup aujourd'hui vers 11h on serait venu, je vais aller en acheter des nouveaux pour ma rentrée et tout ça, donc il faut se préparer, il faut que je bouge tout, mon lit va rechanger de place, enfin ma chambre va rebouger, du coup il y a beaucoup de choses à faire. En plus de ça, je dois faire des photos pour un concours et un réel parce que je sors un concours aujourd'hui à 17h. Puis je dois avancer dans ma lecture du Faiseur de rêve parce que je le lis en lecture commune avec Pauline et je suis à la bourre, et préparer ma semaine avec nous, voilà, donc vider mon bureau, j'ai tout ça à faire. Donc on s'active et c'est parti. Aujourd'hui, il est actuellement 11h39, on est mercredi. Je n'ai pas réussi à me lever à 5h30, donc pour moi, le Miracle Morning, je ne l'ai pas fait ce matin. Là, il va falloir que je regarde sur ma to-do list ce que j'ai un peu à faire et ce que j'ai déjà fait. Mais ça ne m'a pas empêché de vouloir être productif tout de même. Du coup, ce matin, je suis partie à la poste pour pouvoir envoyer tous les colis des concours que j'avais fait. Donc il y avait 6 colis à envoyer. Là, j'ai eu un autre concours que j'ai sorti hier qui marche super bien, du coup, je suis trop contente. Et il se finit la semaine prochaine, mardi prochain. Et puis ça, je suis contente, il y a plein de participations, donc je vais aller rajouter les noms des participants dans mon carnet. Je le fais au fur et à mesure pour pas me retrouver dépourvue à la fin, puisque ça m'arrive souvent de faire des concours, de pas noter les participants, et genre deux jours avant, faut que je note tout le monde, et là c'est long. Donc voilà, aujourd'hui il y a Nour qui vient chez moi, on va filmer une vidéo FAQ ensemble et un Spacey Noodle Challenge pour sa chaîne YouTube. Et puis voilà, et puis bah, je vais avancer un peu dans ce que j'ai à faire, j'ai plein de choses à faire. Du cas, je vous amène avec moi jusqu'à dimanche. Je vais essayer de dormir plus tard aujourd'hui, Je vais essayer de dormir plus tôt aujourd'hui pour que demain je puisse réussir le Miracle Morning. Et on se retrouvera plus tard pour un prochain update. Je viens de me réveiller, je ne remonte pas ma tête parce que je suis éclatée. Il est presque 6h, donc 5h54 plutôt. Là je vais écouter des louanges, je vais prier et tout, commencer mon Miracle Morning tranquillement. Puis je vais bosser du montage vidéo et tout. Et je pense que j'irai déjeuner après avec un peu de détente devant les vidéos, de la situation ou quelque chose comme ça, je sais pas encore. Mais aujourd'hui le réveil était plus compliqué, mais étonnamment j'ai réussi à me lever puisque hier c'était pas le cas.
bien que je me sois couchée quand même assez tard. Non, je recommande pas. Mais voilà, ça veut dire que je pourrais faire des choses ce matin parce que bah, aujourd'hui je pars chez Nour de 14h à 18h30. Du coup, bah, je peux profiter d'être productive le matin et un peu le soir et essayer de dormir plus tôt parce que du coup, demain aussi Miracle Morning. Donc aujourd'hui on est jeudi, demain sera vendredi. Et vendredi, j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais rajouter que pour ma gouverne, vous me voyez dans mon lit, mais c'est parce que je n'ai plus de bureau. Car mon nouveau bureau est là. Donc là, j'ai la planche, mais il manque les caissons qui n'étaient pas disponibles et que j'irai chercher demain. Normalement, avec ma bibliothèque, parce que. Genre, bref, vous verrez, je pense que je vous ferai une vidéo spéciale rangement bureau pour la série Back to School. Et pour ma bibliothèque, ce sera bien plus tard. J'ai rangé ma chambre. Mon ordi est toujours sur mon lit parce que je n'ai toujours pas mon bureau complet. Normalement, demain ce sera bon. Je vais pas tarder à partir chez Nour. J'ai bien avancé. Et si tout va bien, ce soir je vais pouvoir commencer à lire Le Faiseur de rêves. Et comme ça, je pourrais peut-être l'intégrer dans mes LC. Dans ma LC. Non. L'intégrer dans ma Miracle Morning, vous savez, pour le matin. Du coup, voilà. Aujourd'hui, ça m'a fait du bien de reprendre un peu mon Miracle Morning. Je suis contente. Et voilà. Il est trop beau. Là, du coup, je vais aller manger. Après, j'ai du boulot à faire. Donc, pour avancer sur ma to-do list, il faut que je monte deux réels, que je fasse une photo pour le concours et que j'aille chez Nour. Et quand je rentre, lecture, si tout va bien. Mais normalement, ça devrait le faire. Du coup, je suis grave contente. Et puis, bah, on se retrouve demain, je pense, pour vous parler de mon Miracle Morning. Non, peut-être plus samedi, parce que tant que j'ai plus de bureau, c'est assez compliqué. Du coup, je fais tout dans mon lit. Même si je pense qu'on pouvait cette vidéo, vous saurez déjà qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah, j'ai tout cassé. J'ai cassé mon cutter. C'est bon. Allez. Alors, il y avait Stabilo. Purée, 23, ils sont immenses. Voilà, je les avais vus sur le compte Instagram de Stabilo. Et il y a toutes les couleurs. Il y a même du gris. Il est magnifique. Il y a vraiment toutes les teintes. Et il y en a 23. Ça coûte moins de 30 euros normalement sur Amazon. Ensuite, le plus beau. Vu que je vais à la fac, nouveau sac. Et voilà, je suis trop contente. On va voir si mon ordinateur il passe largement. C'est bon. Ah, je suis trop contente, il est trop beau. Comme ça, ça va changer du S-Pack que j'ai depuis le collège. Oh, il est trop beau. Ah, c'est bon. C'est bon, mais je vous montre. Bon, je vais montrer à mon papa. Il est trop beau. Là, il est un peu froissé et tout. Il y a des poches ici. Attendez, là, on va faire un test. Ma gourde. Ah oui, c'est trop stylé. Je suis trop contente. Voilà, j'ai pris noir, tout simple, basique. Et voilà. C'est assez grand, ça s'ouvre d'une manière assez particulière. Je suis très contente de cette réception de colis. Là, il est quelle heure? Il est 13h53, j'ai mon bus à 14h03, donc dans 10 minutes. Je pars tout de suite de chez moi, j'ai déjà mon sac de prêt et je vais chez Nour. Hier, elle est venue et là, aujourd'hui, je vais chez elle. Voilà, j'ai bien bossé, je suis très contente. Donc, on prend les petits écouteurs, un peu de baume à lèvres, un masque. Et c'est parti, moi je suis de retour chez moi, je pense à 19h puisque je pars de chez elle à 18h30. Là je vais prendre le bus, faut que j'ai bien ma carte de bus. Et puis normalement ce soir je vais pouvoir commencer à lire parce que j'ai été très productive cette matinée. Du coup c'est trop bien. On se retrouve demain et je pense vraiment ce week-end quand je vais clôturer le vlog, je clôture dimanche ou samedi soir je vois. Je vous expliquerai un peu plus comment moi j'ai ressenti le fait de faire la Miracle Morning cette semaine, sachant que j'en avais déjà fait. J'y vais parce que si je suis en retard, Nour va me tuer. Je vous reprends. Voilà, j'espère que vous allez toujours bien. Je me suis dit que là j'avais un petit temps avant de partir à Ikea. Voilà, j'espère vraiment qu'il y aura tout ce qu'il faut sur le site normalement. Tout est disponible. Donc,
Voilà, je croise les doigts. Et voilà, normalement ma chambre devrait être prête, donc en tout cas les meubles montés et tout ça, demain. Donc on sera samedi, là aujourd'hui on est vendredi. Et dimanche, j'essaierai tout ranger et du coup je pense pas que je serai trop présente dans le vlog, mais je le clôturerai quand même dimanche. Parce que du coup je vais vous filmer des vidéos, je réorganise ma bibliothèque. Comme ça je vais la garder sous le coup de cette vidéo, je pourrai vous la sortir quand je serai en panne de vidéos. Et ma vidéo, je réorganise mon bureau pour la série Back to School. Donc je me suis dit que j'allais venir pour vous parler un peu du sujet de cette vidéo, parce que c'est un vlog certes, mais axé sur la Miracle Morning. Déjà il faut savoir que j'ai décidé de faire la Miracle Morning cette semaine grâce à un compte Instagram, donc c'est Redouble, enfin dans tous les cas je vous l'écris. Voilà, donc c'est Mariam sur Insta si je me trompe pas, et c'est une bookstagrammeuse que j'aime énormément, je suis son contenu et tout, et je la trouvais vachement productive et elle avait décidé de lancer ça pour qu'on se motive tous ensemble, et ça m'a grave motivée. Moi faut savoir que j'avais lu le livre il y a déjà un bon bout de temps, que je faisais la Miracle Morning durant mon année de terminale, voilà, durant plus à partir de mars et tout, quand il y a eu le confinement et tout ça. Donc j'ai pas mal de choses à dire. Déjà on peut voir qu'il y a plein de post-it. D'ailleurs, une vidéo sur mes annotations arrive, je vais la filmer, donc je sais pas si elle sortira avant ou après cette vidéo, parce que avant d'aller à la fac, peut-être je vais me répéter, mais je vais filmer plein de vidéos, comme ça je pourrais les programmer et je vais pas vous abandonner quoi. Du coup, ce livre, moi je l'avais beaucoup aimé, il m'avait beaucoup aidé, il m'avait apporté beaucoup de choses, et j'ai pris des notes dans mon petit carnet comme ça, Muji. Alors je vais vous expliquer en fait assez simplement le Miracle Morning, à quoi ça consiste, quelles sont les étapes et comment se l'approprier, parce que là je vais vous dire ce que moi j'ai tiré du livre, mais comme vous avez pu voir cette semaine par exemple j'ai pas fait de sport et exercise, je crois que c'est, ça fait partie de la Miracle Morning, sauf que j'ai pas fait de sport cette semaine, j'en ferai la semaine prochaine, mais je vous ferai pas un vlog encore parce que je vais continuer en effet mon Miracle Morning, ça va voir pour toute mon année de fac en fait. Du coup, tout d'abord, au dos du livre, on voit que le Miracle Morning, c'est se lever une heure plus tôt chaque jour. Donc là, j'ai mis entre 5h30 et 7h30, c'est ce qui est recommandé par l'auteur. Mais imaginons, votre journée commence à 10h. Donc à 10h, je sais pas, vous allez au boulot, vous avez un truc à faire. Se lever une heure plus tôt que votre réveil de base, c'est rentrer dans une Miracle Morning. Par exemple, si jamais vous commencez à 10h et que vous avez que 20 minutes de transport, du coup, vous vous réveillez à 8h30, vous vous réveillerez à 7h30. Donc voilà. J'ai relevé des citations dont une qui m'avait plu, c'est il y a toujours moyen à condition de s'engager. Évidemment si jamais votre état mental, votre état de santé vous le permet, parce que le Miracle Morning c'est pas quelque chose non plus que tout le monde peut faire si jamais déjà il en a pas envie et si ses capacités ne l'aident pas non plus. Du coup voilà, il faut en gros ici il nous apprend à prendre notre vie en main parce que l'auteur a vécu un événement assez traumatique et en fait il s'est rendu compte qu'il allait mourir jeune et qu'il avait entre guillemets rien accompli. Du coup il faut savoir pourquoi on veut se lever tôt, donc trouver une raison au fait de se lever tôt. Moi là j'ai voulu me lever tôt pour pouvoir reprendre un bon rythme de sommeil, pour reprendre ma vie en main, pour avancer sur mes projets et tout ça. Et comme vous avez pu voir j'ai vraiment fait beaucoup de montage vidéo, j'avais peut-être 7-8 vidéos à monter, je suis à jour. Je suis là aujourd'hui, j'ai un unboxing en fait qui s'était perdu dans mes documents à monter, donc ça c'est le montage du jour. Et quand Nour est venue, on a filmé une vidéo FAQ que j'ai à monter. Et après j'aurai cette vidéo, du coup je suis vraiment à jour comparé à avant où j'avais vraiment une pile de vidéos à monter. Voilà, savoir pourquoi se lever tôt. Donc moi, comme je vous ai dit, mes raisons, c'est pouvoir avancer sur mes projets, être productive avant de démarrer ma journée, me sentir bien, prendre du temps avec moi, prendre du temps avec Dieu, me poser, me ressourcer. Il y a une autre citation que j'ai relevée du livre parce qu'à la fin il y a plein de citations que je trouve super motivantes et très intéressantes. Il nous dit pour se coucher satisfait, il faut se lever chaque matin déterminé. Et voilà, c'est assez motivant. Du coup, en gros, dans ce livre, ce qu'on va principalement nous apporter, c'est le Life Savers. Du coup, chaque lettre correspond à une étape de la Miracle Morning. Donc ça, c'est ce que lui donne. C'est les étapes données par Al Elrod. Et après, c'est à vous de vous le remixer pour que ça puisse vous convenir. On a le S pour silence. Le S correspond... Alors normalement, dans le livre, il nous dit que dans le temps de silence, on peut faire de la méditation, prier, faire de la réflexion, respirer profondément, de la gratitude. Donc moi, ce que je fais, c'est de la prière, de la gratitude, de la respiration. Ensuite, on a le A pour affirmation. Donc j'ai un petit carnet où j'écris mes affirmations que vous avez peut-être vu, je vais vous montrer tout de suite. Du coup, c'est dans ce petit carnet, donc c'est aussi un carnet Muji,
coûte 1€ et quelques, quelque chose comme ça. Donc celui-ci est ligné, j'en ai d'autres des tout noirs à carreaux que j'ai pris pour les cours. Ça je vous invite à regarder dans ma vidéo fourniture scolaire. Et en fait dedans je vais écrire des affirmations. Donc là je sais que j'ai passé sur de nouvelles affirmations, je mets la date et j'en écris plusieurs. Donc en gros les affirmations c'est des choses positives, donc par exemple vous écrivez par exemple j'ai confiance en moi, je suis épanouie, je suis heureuse, je suis organisée, déterminée, je suis apaisée, je dors bien, je m'organise bien, voilà, donc plein de choses comme ça, ou par exemple ma journée va être incroyable, je vais passer une très bonne journée, tout va bien, voilà, vraiment s'affirmer des choses positives, parce que ce qu'on dit généralement on l'attire et notre parole crée des choses, on a la fin. Dans ma vision des choses, la parole est créatrice, et même hors que ce soit ma vision des choses, c'est parfois ce qui se passe. Souvent quelqu'un de très pessimiste qui va tout le temps penser qu'il va échouer, jamais réussir, bah ça va être très compliqué pour lui de réussir. Donc voilà, il y a ce temps d'affirmation que je trouve important. Ensuite il y a le V, donc visualisation. Ça je le fais un peu moins, mais en gros c'est se visualiser, réaliser ou obtenir des choses qu'on veut. Je sais pas, imaginons que vous voulez un iPad, et bah vous allez vous visualiser, fermer vos yeux, vous voir avec l'iPad et travailler dessus. Ensuite il y a E pour exercice physique, donc faire du sport et tout, une pratique sportive, c'est vraiment très important. Moi je le faisais avant, bon là cette semaine je l'ai pas fait, mais je compte le faire la semaine prochaine. Donc comme pratique sportive, moi ce que je fais c'est de la marche, courir, du cardio à la maison. Donc j'ai des élastiques aussi, donc je fais des abdos, de la planche, et voilà, je travaille principalement ça. Ensuite on a le R pour reading, donc lecture. Ça c'est important, donc en gros il accorde un temps le matin pour pouvoir lire. Moi ce temps-là je ne l'ai pas pris, comme vous avez pu le voir. Et le dernier c'est S pour scribe, donc écriture. Et ça c'est quelque chose de pas mal en fait, ça permet d'entretenir un journal, et moi c'est ce que je fais, j'écris. Et dans mes écrits, moi je parle à Dieu, je mets ma journée entre ses mains, juste je mets tout ce que j'ai à mettre, voilà, tout ce qui va bien, tout ce qui va pas. Et je vais vous lire une dernière citation que j'ai relevée, c'est « Soyez heureux de tout ce que vous avez, acceptez ce que vous n'avez pas et créez activement tout ce que vous désirez ». Voilà, je trouve ça très motivant. J'espère que comme ça, ça vous aura permis un peu mieux de comprendre la Miracle Morning. Et en même temps, je vais vous dire que vous pouvez l'adapter à vos besoins. Comme vous avez vu, ma Miracle Morning ne correspondait pas à 100% à celle de Al. Du coup, l'auteur à la drogue. Et du coup, en fait, c'est à vous de l'adapter, c'est à vous de le remixer, c'est à vous de mettre les étapes que vous avez besoin et dont vous avez envie de pratiquer. Si vous, le matin, vous n'avez pas besoin de lire, bah, ne lisez pas. Si jamais vous avez envie de faire plus de sport et juste 5 minutes de méditation, prière, faites-le et votre Miracle Morning peut tourner juste autour de ça. Moi je sais que je l'adapte aussi pour mes projets, je me lève plus tôt pour par exemple pouvoir monter deux vidéos, une vidéo. Je me lève plus tôt par exemple quand c'est en période de cours pour pouvoir faire mes fiches révisions. Je me lève plus tôt pour pouvoir m'entraîner et gagner du temps. Donc c'est vraiment à vous de l'adapter pour que ça puisse vous convenir au mieux. Donc moi je vais vous laisser, je vais me préparer, je vais aller à Ikea et j'espère que je rentrerai avec tout. Ah comment tu fais, trop genre, ah là t'es revenue. Bon, les loulous, on est samedi. Je sais pas pourquoi je vous appelais les loulous, c'est très gênant. Comme on peut voir, hier, on a pris des choses. J'ai pris quelques rangements pour le bureau. Ça, c'est ma chaise de bureau. Et ça, c'est les deux caissons. On est toujours samedi, je vais vous parler un peu. Demain matin je vais clôturer le vlog, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est un peu un vlog vlog de ma semaine, un peu wiki vlog, mais façon Miracle Morning où je suis productive et tout ça. Je pense que je vous referai d'autres vidéos Miracle Morning parce que c'est fun, c'est cool et je pense que ça peut motiver tout le monde. Ou là je ferai du sport et tout, ce matin j'avais prévu de faire du sport, mais la nature m'a dit tu vas avoir mal au ventre toute la journée, tu vas te faire une bouillotte. Et tu vas pas faire de sport. Du coup, j'ai pas fait de sport. Je ferai du sport la semaine prochaine. Mais sauf que je vous vloguerai pas. Sauf si je fais des productive day. Je sais pas. Du coup, on est parti à Ikea. Et il y a eu ma bibliothèque. Du coup, je suis trop contente. Elle est grande. Elle fait la hauteur de ma porte.
Bref, je suis très contente. Et là, c'était mon enceinte que j'avais. Mon autre bibliothèque, bon, je vais pas vous la montrer puisque voilà. Mon bureau, je l'ai. Donc voilà, je suis joie. Il va juste falloir que je range tout ça. Voilà, je suis censée m'en occuper demain. J'avais envie d'avancer dans ma lecture du faiseur de rêve qu'on voit là. Voilà, c'est un peu le bazar. Donc, je vais pas le faire. Je vais aller dormir. Parce qu'il est tard. Voilà, c'est tout pour moi. Ça a été une assez grosse journée. J'ai exporté ma vidéo unboxing. Hier soir, j'ai fait le montage. Voilà, pour demain, je sais pas ce que j'ai. Je vais aller voir ça. Bon, je suis en pyjama, mais on s'en fiche. Aujourd'hui, j'ai mon live avec l'autrice de Briseis. Il y a ma chronique sur mon compte Instagram, si ça vous intéresse. Je vous en parlerai sur des chaînes YouTube, parce que j'ai plein de livres que je vous ai pas chroniqués en update lecture, et je savais pas trop si je devais arrêter les update lecture ou non. Du coup, je vous ai fait un petit sondage sur Insta, et vous avez été la majorité à me dire non, continuez les update lecture. Donc, je continue, mais je compte vous faire aussi des update lecture dans mes vlogs. Je me dis que ça pourrait être plus intéressant. Donc voilà, c'était trop bien. Donc, c'était avec Tiffany Sauviel, et c'était pépite, j'ai trop aimé. Donc mes lives généralement d'auteur durent une heure, j'en ai fait deux, donc voilà, c'était un concept que j'ai fait où j'interview des auteurs, et là j'ai voulu interviewer des auteurs auto-édités, et c'était super intéressant, c'était vraiment super bien, vous avez l'air de kiffer le concept, et ça me fait trop plaisir. Du coup, ça c'est fait. Demain, nous sommes dimanche, je dois me réveiller à 5h30, donc là je vais pas tarder puisqu'il est 20h41. Ensuite, bah, Miracle Morning, donc ça on va faire, prière, affirmation, lecture, tout ça, enfin je sais pas encore. Après je dois monter mon vlog Miracle Morning, donc je vais le clôturer demain matin. Sport, est-ce que je vais faire du sport? On va essayer. Ensuite, douche, oui, lecture, et tournage, j'organise mon bureau, donc ce sera pour la série Back to School, et je réorganise ma bibliothèque. Je sais pas si je vais réellement réussir à filmer ces deux vidéos, parce que ça va être deux vidéos super compliquées, mais je me dis, on est dimanche. Pour moi, le dimanche, c'est le début de la semaine, donc on va bien commencer la semaine comme ça lundi, vous voyez, tout est rangé, tout est prêt, je suis apte à bosser et tout ça. Donc ça fait une grosse journée pour demain. Je vous prends pour clôturer ce vlog Miracle Morning. Voilà, on est dimanche, là il est presque 14h. Je me suis habillée en sport pour tout ranger. Je voulais faire du sport ce matin, je pensais que j'allais ranger ma chambre. Je ne l'ai pas fait. Et là je vais devoir ranger mon bureau, mes bibliothèques qui sont vides. Voilà, il y a beaucoup beaucoup de boulot à faire. Mon lit n'est même pas fait, mais je vais m'en occuper. du coup, je vais quand même ranger mon lit. Cette Miracle Morning se termine. Là je vais filmer une autre vidéo pour la série Back to School. Voilà, je suis trop contente. Du coup, je sais pas encore si je commencerai réellement à monter cette vidéo aujourd'hui. On va faire une petite conclusion de cette semaine de Miracle Morning, comment je l'ai vécu et tout ça. Faut savoir que moi c'est pas la première fois que je l'ai fait, c'est pas la première fois que je me réveille le matin à 5h30. En soi, ça a quand même été plus compliqué que les autres Miracle Morning que j'ai pu faire, parce que avant je dormais à 21h30 pour me réveiller à 5h30. Donc les conseils que je pourrais vous donner pour réussir une bonne Miracle Morning, c'est d'avoir assez d'heures de sommeil entre 8 et 9h. Après, tout dépend de votre âge et tout, je pense que vous pouvez rechercher ça ou de ce que vous avez besoin pour être en forme. Donc voilà, je pense que le sommeil, c'est un peu la base pour bien réussir son Miracle Morning. C'est pas en dormant à 1h du matin que vous allez bien réussir à vous lever à 5h le lendemain. Voilà, moi, c'est malheureusement la bêtise que j'ai fait. Comme vous avez vu, il y a des petits jours où j'ai sauté. C'est pas grave si jamais vous n'arrivez pas. Par exemple, imaginons que vous voulez vous faire une Miracle Morning pendant un mois. Ouais, un mois. Et que, bah, 2-3 jours vous loupez le réveil et tout, bah c'est pas grave. Voilà, sachez-le, du moment que vous ne lâchez pas et que vous reprenez le jour d'après, tout va bien. Comme moi, on peut voir dans ce vlog, ça n'a pas été parfait, je me suis pas réveillée à 5h tout le temps. J'ai pas fait du sport cette semaine, j'en rajouterai la semaine prochaine pour mon Miracle Morning, et il est aussi adapté comme avec ce que vous avez besoin et ce que vous avez envie. Donc ça, c'est très important, ne l'oubliez pas. Voilà, de faire quelque chose qui vous correspond, qui vous plaît et qui est fait pour vous. Pour le Miracle Morning, c'est important. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, si ça vous a intéressé de voir un peu mon Miracle Morning, tout ça. Je pense vous en refilmer une autre où cette fois-ci je ferai du sport et je pourrais vous parler un peu plus de ma routine sportive, parce que j'aimerais bien la maintenir et la retravailler, parce que quand j'étais en première, j'étais vraiment assidue, mais après avec le confinement, tout ça, bref, ça a été compliqué. En tout cas, c'est tout pour moi. J'étais super contente de vous faire cette vidéo. C'était vraiment super cool. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu Miracle Morning ou si ça vous intéresse ou si mon vlog vous a plu. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!